C'est impeccable. Déjà la semaine dernière, voilà, ça va arriver ce soir. Ouais. Je reste là un petit peu. Ces gens ont été bloqués. Ils m'ont vu d'arriver là ce soir. Ouais, c'est sûr. On va voir si on va tenir plus longtemps qu'il y a deux semaines. C'est entre 1500 et 200, on est tous bloqués là-bas. Ça va, ils nous ont bloqué là-bas, c'est con. C'est un des jeunes là qui fout le bordel. Ouais. Que je connais ici qui fout le bordel, ça me saute. Monsieur, suivez-moi, je connais un métro. Ouais. On arrive ici. Mais sinon là-bas, ils étaient tous bloqués. Ils ont commencé à le caser, à le chercher. Mais c'est des gens comme toi et moi. Qu'est-ce qu'ils ont emmerdé? Ah, vous étiez au champ de Mars, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai fait partie du premier groupe qui a réussi à s'extirper. Voilà. Il est arrivé ici. Et bah voilà. Et moi, je connaissais le métro, j'ai emmené un groupe, c'est pour mettre le métro. T'as pris quoi, Piratien ou après? Non, moi, je suis retourné vers l'école militaire, en fait. C'est ça. C'est directo. C'est sûr. Nous, on est parti, on a traversé la Seine, on est allé en ligne droite. Ouais, d'ailleurs. Moi, j'ai pris Super Hacken. C'est un des jeunes qui fout le bordel. Tu casses tout et tout en plus. Tu me dis, monsieur, suivez-moi, je vous envoie. Faut pas croire, mais les casseurs là, ils sont de côté. Quoi. Ouais, c'est ça. Ils veulent que se taper sur les bords. Ouais, mais en attendant, on attend. De toute façon, si on se contente juste de faire des rassemblements. Quand on se fait 1,2 million, ça va. Regarde, il y en a qui est monté là-bas, qui a mis son gilet jaune là-bas. Il a monté quoi? Il a monté sur dessus là-bas. Là. Mais en attendant, il faut. Il y en a un qui est monté là-bas, là. Sur la statue, il y en a un qui est monté, qui a mis le gilet jaune. Je m'en vais là, moi. Je vais prendre ça. Allez, à bientôt, fais attention à toi. Oh, de toute façon, je peux manger avec vous. Hein. J'ai rien à faire. Il y a deux semaines, il y avait des drapeaux partout. C'était génial. Heureusement que je le dis. Il y a un gilet jaune dessus là qui m'a dit. C'est bon là. On va contourner à mon monde. Okay. Ah, bravo. Vas-y devant. J'essaie de monter un drapeau. Ah, c'est beau. Allez, vous. Allez, je te suis. Ah oui, la question sur comment je vois le récit du mouvement. Oui, je t'en prie. C'est... comment dire? On sait qu'on est face à un ennemi titanesque, mais d'un autre côté, en 1789, c'était pareil. Quand on a fait la révolution, juste derrière, on s'est retrouvé avec tous les pays d'Europe contre nous. On a gagné. Donc on a espoir que le miracle se reproduise. J'espère aussi. Ouais. Surtout que cette fois, c'est tous les pays du monde qui nous regardent. Oui. Je ne sais pas comment ils font pour monter là. Je sais pas non plus. Mais là, il y a deux semaines, il y avait des gens partout dessus. Comme si c'était une zone normale pour. Regarde! De toute façon, j'entends la police. Ils arrivent. Ouais, j'ai entendu les claques. Ah. Eh ben, les voilà, nos petits copains. Ah oui. Ah, ils nous manquaient tellement.
Oh bordel, faut que j'arrête avec ça. Quand c'est lui. Il t'en suit. Ah oui, je me suis. Le monde est plein de paix. Le monde est bon de plein de paix. Mais de toute façon, le mouvement va pas aller en se calmant. Le mouvement va pas aller en se calmant. Normalement, Macron est censé apporter des réponses à nos attentes. Et les débuts de ce qu'ils vont rouler, débuts de ce qu'ils ont prévu de mettre, ça va nous énerver. Si on demande plus de pouvoir d'achat, et ce qu'ils proposent au référendum, c'est la baisse du nombre de parlementaires. Histoire de se consolider encore une plus grosse majorité. Donc le mouvement, ça va faire que s'amplifier dans les mois qui viennent. C'est pour ça qu'il faut tenir. En attendant que les gens s'énervent vraiment. Donc en attendant, il faut revenir et se prendre des cours.